Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Donc juste, bonsoir à tous, hein, déjà ceux que je connais, on s'est vu à la buvette, voilà. Donc juste pour annoncer le constat des filles, déjà je suis super fier que Palette Europe passe ce soir à Chichi, parce que ça fait plaisir. Donc les groupes qu'on a repérés au festival qui passent après, qui sont repérés par des salles, par des programmateurs, ça fait plaisir de les voir sur scène, voilà, dans des super conditions comme ça. Vraiment, ça fait 20 ans que Défi existe et quand on essaye de faire la promotion des groupes locaux. Ouais, tous les collègues que vous connaissez, Nadj, hein, Béran, Raph, Manix, Joe, etc. Vous connaissez ça de répète. Voilà. Donc ça c'est fait pour le défi et les prochains concerts, on programme à Saint-Jean-de-Bray par exemple le 4 février, la semaine prochaine on programme à Saint-Jean-de-Bray. C'est un travail de longue haleine avec les mairies, parce que c'est pas toujours facile de travailler avec les mairies, avec Chessy c'est facile, c'est vrai. Et avec Saint-Jean-de-Bray, on programme depuis des années, et la semaine prochaine on fait Carimouche, donc une chanteuse française d'origine, d'où elle veut d'ailleurs, on s'en fout, mais qui fait du hip-hop, du rap, de la chanson française. Vous l'avez peut-être entendu sur France Inter, tout ça, elle passe un petit peu partout. Voilà. Après, le 11 février, on fait un Before Défi au 108. Alors, le Before Défi, c'est un concert où on accueille des groupes locaux. On leur demande de faire des concerts un petit peu acoustiques, pas trop forts, pour ne pas faire de bruit, pour ne pas gêner les voisins. Et donc la prochaine fois, ce sera Utopie de Congo, c'est de la musique africaine, un mélange de musique africaine, de jazz, etc. Et le 12 février, donc, il y aura le tremplin des festivals qui va se passer ici. Ça va être un truc énorme, parce qu'il y a des groupes excellents, déjà, bon, il y a les Burning Heads qui vont finir la soirée. Ils ont été super sympas de venir finir cette soirée. Et puis il y aura des groupes comme Cherzo, Run Inside, The Riots, un groupe de gloire, de reggae. Enfin, voilà, et le public va juger un peu ces groupes. Et ces groupes seront les gagnants de ce tremplin. Jouons au festival qui aura lieu le 10, 11, 12 juin à Chessy, comme d'habitude, depuis 3 ans. Il coupe, il bouffe, ça se court. Voilà. Il est fatigué, ça y est. Donc le festival au mois de juin, et je vais annoncer d'autres. C'est un truc. Donc je remercie Palette Europe, je remercie Yann Pierre qui est dans la partie et qui est toujours vivant. Tu sais, un écho à la route, ça va. J'adore Palette Europe. On reçoit des milliers d'albums, on reçoit des milliers de disques, des milliers de trucs sur MySpace, machin et tout. Et puis il y a ce petit groupe d'Orléans qui, mine de rien, fait son petit truc. Puis moi, je suis un peu amoureux de la voix de Nerd. Je suis amoureux de la voix de Nerd, quoi. Voilà sa voix. Elle fait penser à... Gainsbourg quand il était jeune et beau, ben voilà. Yeah. Hugo représente. Bravo Hugo. Merci à vous la défi. Merci. Est-ce qu'il y a des punks dans la salle?
J'en ai vu au moins un. Cette chanson, elle est pour lui, elle s'appelle Quasimodo. Merci à Joe qui fait la lumière pour nous. Merci. Et merci à Raph qui fait la lumière pour nous. Je ne connais pas les prénoms, je ne me rappelle jamais des prénoms des gens, mais les gens Alexis, Michael, Christine. Ah oui,
Il y a une place exclusive, il n'a pas dit merci tout à l'heure. J'ai pas cher.